Et plop, les gens. Ici Zikino et bienvenue sur la suite de Toy Tactics. Donc l'épisode 5 normalement. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai un peu rejoué au jeu. Alors j'ai refait juste cette mission là. Lion et le Fox pour débloquer les. La troisième étoile, là, la troisième laurier. Mais on va pas le faire, on va pas refaire des missions, tout ça. Mais je l'ai fait de mon côté et je l'ai fait à la manette pour tester la manette. Et je voulais vous rapporter qu'au final, à la manette, le jeu se joue plutôt bien. Pour un jeu de stratégie, je pense que c'est important à le souligner. Après, c'est évidemment. Un peu lent de déplacer le curseur machin, mais ça se fait si vous préférez vraiment être à la manette ou quoi, ça se fait et je l'ai tenté après avoir vu que sur leur Discord il y a quelqu'un qui disait qui appréciait voilà et apparemment ils ont même des idées pour encore améliorer ça. Moi je reste un joueur souris pour les jeux gestion et manette pour les jeux platformers, donc je suis resté à la souris, mais si vous n'avez qu'une manette ou si vous trouvez peut-être plus tard le jeu sur console, bah sachez que c'est faisable. Voilà. Je n'irai pas plus loin que dire faisable, mais ça se joue pas mal pour ce genre de jeu, c'est à souligner quand même. Donc, The Ram Break the Wall. Ram, c'est le cerf, non? L'Imperium, les forces de l'Imperium ont débarqué en Erebus. Et les habitants squelettes n'en sont pas heureux du tout. Soumettez-les et maintenez votre camp dans cette terre non sacrée. Qu'est-ce qu'elle fait la minette? Alors. Une seconde, on met le clavier en QWERTY parce que c'est plus simple de mettre le clavier en QWERTY et de le rechanger que de refaire toutes les touches sur tous les jeux. C'est pas le QWERTY apparemment. Et lui, il en est AZERTY. C'est très bien ça. Bon, je suis en BPO donc. Ça m'avance pas beaucoup, mais c'est très bien qu'il pense déjà aux non-anglophones. C'est pas tous les jours. Alors. Ici, il y a un canon détruit. Quelques soldats, quelques autres soldats. Pour moi, c'est pas forcément très grave. Ici, il va falloir réussir à s'en occuper. Pour passer sans trop de soucis, sinon il faudra longer. Ça se fait.
ici. C'est des groupes de deux archers, ce qui est pas beaucoup. Mais si ces deux archers qui nous tirent dessus pendant que la porte tient, ça peut quand même être gênant. Quelques ennemis ici et là. Bon, il n'y a pas de grosse armée. Il y a ici à détruire pour récupérer le coffre. Il y a deux choses à reconstruire ici. Et ici à détruire juste pour s'amuser, j'ai l'impression. Et apparemment, il faut buter tout le monde et après défendre. C'est, en tout cas, c'est le thème qui nous a été écrit et indiqué. Et là, on voit un bouclier, donc potentiellement, c'est le cas. Et du coup, peut-être que ne pas détruire ça et nous l'esquiver, ça permettra aux assaillants futurs de ne pas, s'ils viennent d'ici aussi, de se prendre des tirs gratuitement. Donc, les sorts. J'ai envie de débloquer. Non, j'ai juste envie de débloquer la catapulte de feu. Ou alors la tornade. Non, la catapulte de feu, c'est bien. J'aime bien la catapulte de feu. On n'a pas beaucoup d'archers, je crois. On en a 16. On en a 16 et au final, toute cette zone-là est déjà en hauteur, du coup. Je pense pas que ça, ce soit mince. Ce soit très utile ici. Les flèches, c'est plutôt bien, c'est plutôt fort. Quand offensif, quand... Ah oui, un camp de spawn, ça peut être marrant ça. Ça spawn des unités régulièrement et puis au bout d'un moment il se détruit. Ça peut être marrant. On va le prendre. Il faut d'abord que je prenne celui-ci. Bon, on va acquérir celui-ci, mais... Quoique, on peut avoir un camp défensif. Mais le cochon, je les ai pas utilisés. On va mettre les cochons. Ce sera bien les cochons. Alors on a les légionnaires, les sagittaries, les scissors et la reine. Ou le roi. Donc soin dans la zone, c'est très bien. Ça on l'a pas. Et explode après être mort. Je préférais qu'il rentre dans une rage et potentiellement qu'il ne meure pas. Je préfère quand ils attaquent en allant à toute vitesse, mais de toute façon on n'en a pas. On a des archers. Donc ça c'est bien quand on shoot de très loin, mais du coup on va shooter d'un peu loin mais pas très loin. Petite chance d'avoir des flammes ou alors on repousse un peu les ennemis, ça peut être bien. Là, ça permet aux archers d'être plus forts. Je sais pas si c'est le thème. Est-ce qu'on peut mettre les ennemis en feu? On va les utiliser comme boucliers, donc autant qu'ils puissent se protéger des projectiles. Pour le moment, il n'y a que 6 archers là et 4 ici. Donc il y a une dizaine d'archers, mais potentiellement il y en a plus qui vont arriver. On va dire ça. On va dire ça et puis on va y aller. Donc tuer 40 ennemis avec nos sorts, compléter niveau sans qu'un archer meure. Et pour le moment il faut capturer et maintenir la zone là-bas pendant longtemps. Alors,
Attends, de quoi? Bon, on verra. J'ai peut-être mal un peu confondu ces deux-là. On verra si eux j'aurais pu les... J'en veux un là, un là, un là et un là. Eux se mettent là, eux se mettent là et eux collent ici. Et lui, c'est bien ça, il soigne, mais à l'arrivée du projectile. Ils tirent de loin, eux. Vous, vous allez vous mettre en file indienne comme ça, et légionnaire, un peu pareil. Les archers ont poussé l'archer de son muret. Tu vas détruire ici. J'ai un scissor qui est mort. Allez là. L'archer vont bien s'en occuper le temps de... Là, ce cercle, j'ai un peu peur. Ouais. Ça pour le moment. Il n'y a plus que deux scissors, très bien. Il y en a plusieurs qui sont annoncés, les soldats. Les archers, ok, j'en ai certains qui sont morts.
Pas de quartier. Ah bah très bien. Alors, vous, vous devez aller là. Et vous, vous devez aller là. Ou comme ça. Excusez-moi. Est-ce qu'on va... On n'aura pas sauvegardé tous les archers, mais est-ce qu'on va au moins réussir à avoir les... Les ennemis tués avec les sorts, c'est pas sûr. Donc une défaite. La première de ce let's play. Try. Ah j'ai pas lu. Bon. Est-ce qu'on skip? Oui. Alors cette fois on va pas prendre le... Ça c'est dur à placer. On va prendre ça et on va prendre... C'était ça, et les alliés proches du point d'impact, les alliés proches du point d'impact, un boost d'attaque ou... Non, non, c'est bien ça. Sauf qu'on a vu que les ennemis, ils spawnaient carrément là, ils arrivaient pas ici, donc ça, on va le détruire. Si on peut. Alors...
Voilà. Donc voilà. Si le coffre arrive à un endroit un peu plus accessible cette fois-ci. Mais... Oula. Ah ouais, il m'a détruit tout le monde en fait. C'est lui qui... Alors, les archers... Les archers. C'est déjà mort là, hein. Voilà, qu'est-ce que tu fous? On va au moins essayer de récupérer le corps si ça marche. Ça, on pourra potentiellement sortir ici d'un autre sort. Sinon le coffre a été pris. Non, le coffre a pas été pris. Le coffre c'est pris la lance incrustée. Grossièrement. À l'arrière ici et vous allez vous mettre là, donc là c'était plus de se mettre là, on va faire ça comme ça. En fait, on va les diviser en deux parce qu'ils se battent pour pas grand chose.
Quoi? Où est-ce que t'as envoyé ça, la catapulte? J'ai plus de frontline, faut pas que tu tires n'importe où. Le héros est en train de se faire bolos. Ah, non, mon père, quand il meurt. Eh ben. Ouais, il nous propose de combiner les sorts. Alors quel sort on peut combiner et comment? Déjà qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné... On a gagné un glaive non? C'est lequel? Il est toujours là. Non. Mais le knockback c'est pas mal quand même. Ça, on n'a pas. Tu vas venir ici, toi. Voilà. Et les sorts. Ce qu'on peut faire, c'est mettre un mur pour les empêcher de passer. J'ai bien aimé le soin quand même. Potentiellement ça. La catapulte, je suis moyen sûr. Qui supprime les attaques à distance. Oh, si on peut en attirer qu'un à la fois, ou le défoncer sans l'attirer, c'est bien. On l'attire mais plus lentement que les autres. Du coup on le bute à distance et les autres voilà, très bien.
Ouais, c'est bon, on a tout le monde. Quand même, ça, enfin, ça capture quand même. Bon alors, vous,
maintenant. Je crois que j'ai pas le... Je crois que j'ai pas l'arme du coup. Ah, cette fois-ci, lui, je l'ai pas eu, ok. En tout cas, la tour se détruit au moindre contact. Et donc, effectivement, je n'ai pas le coffre. Ouais, Kreos mort, c'était bien celui-là. Donc ça augmente les dégâts des unités qui sont en combat avec d'autres unités. Félicitations, vous êtes maintenant l'heureux détenteur d'une épée licenciée par Jules César. Et ben apparemment non. Et deux, lui c'était cool, j'aurais pu attendre pour avoir lui, mais non. Et donc on va traverser le Ashron. Donc l'Imperium règne sur Orcus maintenant. Mais les horizons Bacon, avec les promesses de futures conquêtes, lance les dés et dirige des troupes à travers le... À travers le pont, Erebus attend. Et donc beacon, ça veut dire faire signe à quelqu'un de s'approcher. Donc c'est appeler, attirer. Mais l'horizon nous attire avec la promesse de future conquête. D'accord. D'accord, d'accord. Je reprends. OBS et on démarre. Donc, ça c'est un peu nul. Ça j'aime bien. Je sais pas encore quoi ça ressemble, mais j'aime bien. Ça je suis pas un grand fan. Franchement, c'était sympa. Alors, on a le même genre de troupe, mais on a les deux héros. On a ici quelques troupes, bah, quelques cavaliers à récupérer. On aura vraiment tous les types de troupes. Ici aussi. Mais avant ça, il faut réussir à se défaire un petit peu des ennemis ici. Ici, soit en frontal, soit par les bords. Sachant que le bord gauche ne sert pas à grand chose. Mais le bord droit permet de... d'être au-dessus de l'ennemi. Donc on va venir ici, on va faire tac, tac, on va monter, essayer de pas tomber, on va prendre le coffre, récupérer la structure ici, et après on va dévaler la pente et tout défoncer. En tout cas, c'est le plan. Y a pas mal d'archers, donc ça peut être bien. Les repousser, c'est pas si mal. C'est de l'eau ou c'est de la lave? C'est de l'eau. Donc les repousser, on va plutôt prendre le... Ok, on va prendre de la hauteur. Hein. Ils vont être en haut à un moment. Ils vont bien canarder. Je sais pas, ça c'est bien aussi. Ah,
Les deux auraient été bien. Ça, je préfère. Et là, c'est les deux auras qui sont proches. J'ai pas besoin de soigner les... les sorts, est-ce qu'on est content avec ça? On a juste... On va prendre ça, parce que sinon... Merde. Ça, on avance un peu. Oui, on va l'avancer ici, lui ici, ou là. Bye. Donc il faut capturer la tombe sacrée. Ouais, c'était pas de l'eau, donc le Knopfkrab, ça aurait été sympa. En fait, j'ai pas forcément fait gaffe, mais... On va éviter de trop tomber. Les archers, pareil, Isisor devant, au moins pour la traversée du pont, on va faire ça. Bon, les Isisor l'un derrière l'autre quand même. S'arrêter là, ouais, surtout que je vais avancer. On a déjà quelques pertes, hein. Ça. Voilà. Ça, ça va pas spawn du tout des choses, hein. Si elle est alliée ou ennemie. C'est une catapulte. Vous allez récupérer vos collègues ici. Avant que l'armée va se préparer à monter. Qui a besoin de soins? Faire comme ça. Alors vous allez
ici. Il faut... pas tomber là. Non, non, vous allez là en fait. Vous allez là. On n'est pas pressé. On fait pas confiance au pathfinding. D'ailleurs, comme ça, il n'y a pas besoin de... On avance tranquillement. Celle-là, c'était celle-là. Ah mais là, on est en train de capturer la tombe. C'est pas bien de capturer la tombe tout de suite parce que on n'aura pas les succès à côté là. On sait vraiment qu'il allait nous faire revenir des gens d'ici. Roi ou la reine prennent le... Bio. Ambrosia. Victory. Moitié entre victoire et victory, désolé. Débloquons donc
Je pensais que c'était la campagne Undead, mais apparemment ça reste la campagne des gentils, donc j'aurais pensé que c'était les samouraïs, mais non. Ça a l'air d'être... Enfin, ça a pas l'air, ça a plutôt l'air d'être moyenâgeux. Très bien. Oui. Oui, ça c'est du... Ça c'est du Moyen-Âge. Avec tout plein de nouveaux sorts, vraiment nouveaux. Bon, après ça, ça a l'air d'être une tour de glace au lieu d'une tour de flamme. Il y a un peu d'inspiration de l'une sur l'autre, mais... Winterwall. Une escouade de brutes. C'est pas 100% tout totalement différent, mais c'est bien. C'est un peu différent, ça change. Et ici, par contre, c'est des nouveaux objets qui. Bon, eux, en tout cas, ils sont plus en rapport avec la glace. À voir si. À voir, on verra. Sur ce, j'espère que l'épisode vous aura plu et je vous dis à bientôt pour la suite.